Dans le cadre de la 14e journée de la Vodacom Ligue 1, le football club Saint-Éloi-Loupopo recevait l'ASV Club lors du premier classique de la saison au complexe Omnisport Frédéric Kibasa-Maliba. Ce match a tenu toutes ses promesses avec plusieurs étoiles au coup d'envoi. Un classique alléchant donc avec un Patou Kabango assoiffé qui ne laisse absolument pas de temps au Dauphin Noir de bien entrer dans ce match. Après 21 secondes seulement, le surnommé Esaü coupe superbement la trajectoire d'un centre bien travaillé de Katerega et catapulte la balle au fond des filets. En l'espace de 3 minutes, les cheminots bouffent et digèrent les clubs. Nouvelle minute, mais même bourreau, Patou Kabango se charge d'exécuter le premier coup franc du match. Son centre est repris malencontreusement par Varel Lausanne qui bat son propre gardien pour le 2-0. Le stade Frédéric Kibasa-Maliba est en effervescence. Le club voit se dessiner sa première défaite de la saison et décide de sortir de sa moitié de terrain. Les offensives sont ainsi multipliées, mais Yves Moukawa, impérial sur sa ligne, permet à son équipe de tenir le score jusqu'à la pause. Peu après, Merdi Massamba enterre définitivement les espoirs des Moscovites. D'une talonnade géniale, Patou Kabango trouve le métronome de Loupopo qui élimine astucieusement deux défenseurs de V-Club avant de battre Landou d'une balle piquée. Un vrai coup de massue certes, mais la bande d'Amarouf n'abdique pas et puise dans ses ressources. Pour sauver l'honneur, V-Club finit par obtenir la réduction du score à la 85e minute grâce à Glody Kikwama. Plus de 5 ans après, les cheminots tiennent leur victoire face à V-Club en championnat. Thank you.